Alors, tu viens voir ton voisin, c'est ça? Tu trouves toujours le moyen de rentrer par la fenêtre. Oh, pardon. Je voulais juste fumer ici. Je vous laisse dormir. Si t'as du feu, tu peux rester. Tu dois avoir cela. J'ai l'habitude, depuis que j'ai vécu avec ma femme, de venir fumer ici. Pour regarder la pluie. C'est que le spectacle va bientôt commencer. Merci. C'est aussi dans votre habitude de venir ici? Et ta femme, elle vient souvent, elle? À la droite. Je tirais un trait sur tout ça, mais parfois... Ah, le tabac. Ma chérie fumait pour 6. Regarde quelle leçon je tire. Elle s'appelait comment? Maya. Jolie Maya. Elle te manque? Je suis devenu insomniaque. Je t'en dis pas mal. J'ai même parfois l'envie de me jeter du haut d'un pont sans réfléchir. Je connais. Pardon? Parfois j'ai comme l'envie de mourir. Mais rien de bien sérieux. Heureusement pour nous, il est bien rare que ceux qui la désirent la voient venir. On peut être vivant et ne rien faire, n'être qu'un simple observateur. Un peu comme... Un peu comme si on n'existait plus les yeux ouverts.
compliqué. Moi ? Eh hey. Et c'est quoi ton nom ? Je m'appelle Edgar. Et tu fais quoi ? Quoi ? Dans la vie ? Je suis conteur. Conteur de quoi ? Conteur d'histoire. Et toi ? Moi, c'est Jean. Eh bien, Jean. Si tu le permets, je vais te raconter une histoire. Mais cette histoire s'achèvera à la fin de cette deuxième pipe. Et du retour du vieil Edgar dans son lit. Et pourquoi ce serait toi qui raconterais une histoire ? Parce que de nos deux, c'est moi qui sais faire face au problème. C'est une histoire sur quoi ? Sur les à côté. Sur les choses banales. Les choses qui n'ont que peu d'importance dans trop de regards. Je risque pas m'emmerder au moins. Les rêveurs ne s'ennuient jamais. Tu es une rêveuse, n'est-ce pas ? Un peu trop, oui. Tu sais sonner les trois coups ? Les coups de théâtre ? Ah ! Prends ça. Tiens, ça va te donner fin d'histoire. Et sonne trois coups sur cette poubelle. Hey, chop, chop. T'as une fourchette dans ta poche. Tu as bien les cheveux rouges, toi. Valentin avait rencontré Claire d'une manière, disons, particulière. Valentin était invité par Claire chez une amie qui traînait de milieu. Une amie embarrassante. Elle se trouvait là, croyant tenir la chandelle alors qu'elle méprisait la flamme. C'est lorsque cet ami s'éclipsa que le premier baiser de Claire et de Valentin fut. 3 ans d'amour et de relations débuta comme ça. Mais tu trouves ça extraordinaire ? Quand il est vu de loin, l'amour peut paraître banal. Notre attention doit être portée sur Valentin, car c'est Valentin notre héros, si les héros existent. C'est donc à la lumière artificielle que commence la gentille petite histoire de Valentin. Le temps passe au ralenti quand on se bouffe le cerveau. Et le son de ce putain de réveil me rend dingue. Mais j'ai pu identifier avec certitude que tu souffrais des mêmes symptômes que ton père. Mais... Mon père, ça doit venir de là. Je dois faire quoi, remonter dans ses couilles ? Comme un mauvais commis qui m'a balancé ça. La maladie maniaco-dépressive est aujourd'hui dénommée trouble bipolaire. Elle se caractérise par l'existence de phases hypomaniaques et d'épisodes dépressifs majeurs. Cette maladie est grave en raison des comportements violents, des conduites à risque, l'alcoolisme est courant, le défaut d'anticipation et la recherche de sensations fortes met en jeu le pronostic vital d'une manière. Les processus de guérison coûtent cher, mais tu bénéficieras, comme ton papa, du statut de maladie intercurrent. Et tu seras remboursé à 100% par la Sécurité sociale. Surtout elle. 3 ans de ses yeux et... J'essaie d'écrire, mais je ne fais que tâcher le papier avec de l'encre. Ça a été mon meilleur remède. Mais comme toute chose, l'abus change la mélodie. Vous voulez voir ma chanson ? Traitement médicamenteux. L'alcoolisme est courant. Courant.
Son corps errait comme un mort au milieu de la centrale. Mais son esprit farfelu imaginait courir jusqu'au pylône le plus proche, monter le haut de fer, étage par étage, barreau par barreau, s'uriner sur la main pour saisir un câble électrique. Ou alors, comme un oiseau tombé du nid, se foutre en l'air. Heureusement, il n'en fit rien. Certes, ont besoin d'aller nulle part pour savoir quel chemin prendre. Là où les vents le mènent, c'est comme si tu parlais de moi. Oui, Jean. Là où les vents le mènent. Bonjour. Tu vas où? Tant que tu m'avances un peu, n'importe où. Ok, Ange. Ok, merci. Tu me dis quand je t'arrête. Ça marche. Je m'appelle Louise, et toi? Val. Tu fais de stop avec une bouteille, Val? Y a pas de problème, non? Tu vas à une soirée? Non. Juste, je bois. Pourquoi tu bois? Pour oublier. Oh, pour oublier quoi? Oublier que je bois. Entre autres. Je suis bon qu'à foutre des malaises. T'es quelqu'un de bien. Faut juste que t'arrêtes les midocs et la picole. C'est pour ça que t'arrives pas à oublier. Tu veux pas t'en souvenir. Faut juste que t'arrêtes les médocs et la picole. Monsieur, vous avez suivi des crises? Non, tu deviendras pas taré, Val. T'es pas comme ça. Tu deviendras pas taré, Val. T'es pas comme ça. Non, il est collé d'accord. T'es pas comme ça. Tu deviendras pas taré. Tu deviendras pas taré. Ça va? Tu veux que je t'amène quelque part? Non, c'est bon. Tu as fait tomber ton instrument. Faut garder l'espoir. Thank you.
sa maladie était un peu comme monter un escalier à l'envers. Ses nombreuses tentatives d'espoir chutaient toujours au même endroit. Comment peut-on transformer ces chutes en maladies? Ce qui est sûr, c'est que hanté par son passé, il rendait ses changements d'humeur réels. Âgé de 22 ans, il aurait été retrouvé mort sur des marches d'escalier dans un quartier du... C'est un génocide.
Les statistiques des décès sont désastreuses. Soi-disant des morts naturelles, la plupart avec de multiples traitements. Que l'autopsie déclare qu'il s'agit d'une mort naturelle, un arrêt cardiaque pendant son sommeil. Si on avait un traitement qui fonctionnait, on n'en inventerait pas un nouveau tous les 6 mois. Tout à fait. Il ne faut pas généraliser. Je pense notamment aux méthodes alternatives du psychiatre franco-basal. Selon la clinique de Saint-Éloi, 70% des patients diagnostiqués bipolaires seraient en fait dépressifs. Ils ont cependant développé tous les symptômes propres à la maladie. Quel régal pour nos oreilles. C'était la sonate au clair de lune. Et le programme continue. Je ne sais plus quoi penser, ni où me placer. On n'a plus de place quand on est libre. Son confort est partout. Pourquoi cette histoire ? Parce que c'est un choix d'aimer vivre. C'est un choix de voir le monde en couleur. Ça ne veut pas dire ignorer ceux qui souffrent. Ça ne veut pas dire être naïf, car l'on peut s'intéresser avec recul, bien qu'avec empathie. Pourquoi tout ça ? Parce que ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité, bien que certains n'en reviennent pas. Vie insaisissable, vois-tu ? Je ne sais plus quoi penser moi aussi. Tout le monde ne peut pas lutter. Pour sûr. Ils sont plus nombreux qu'on le croit. Mes insomnies ne sont pas un hasard. Je suis malade. Malade ? Malade. Et ça ne se soigne pas ? Le nerf du périnée ? Je préfère la question, la maladie a-t-elle du sens ? Ma femme est morte. Jolie Maya. Quand je saurai l'accepter, ma maladie s'en ira. Et tu ne prends pas de médicaments ? Tu veux parler de ceci ? La douleur m'y force, mais cela ne change rien. C'est injuste. Penses-tu ? C'est comme ça. Si l'on regarde de près, on sait. On sait qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Se tenir droit face au problème. Accepter. Il faut parfois accepter pour comprendre. Car on ne fuit jamais assez longtemps. On ne fuit jamais assez loin. Et toujours nous rattrape d'inadmissible. Ma maladie ne mène pas à la mort. Venez, berger. Venez, berger. Ne soyez plus troupeau. Venez contrôler votre corps. Là où les réponses ne sont que questions. Toucherez alors à l'infini, là où la pensée est créatrice. Vous verrez la lumière changeant.